Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre du processus de renouvellement du Conseil national de la jeunesse malienne en France, qui est la structure qui parle au nom de la jeunesse malienne en France. Comme vous le savez aussi, qu'il y a eu une assemblée générale de renouvellement le 8 mars 2015 qui a consacré l'élection de M. Traoré Mahamé comme président de la structure. Et depuis, il y a eu plusieurs tractations, d'abord dans le cadre de la constitution du bureau et aussi quelques démarches administratives avec Bamako. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour la consécration du bureau, la présentation plus précisément du bureau. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord, comme vous le savez également, notre pays traverse depuis plusieurs années une crise multidimensionnelle. Et cette crise a connu des dénouements ces temps-ci qui a provoqué plusieurs morts sur notre territoire national, tant du côté des forces de défense que de la population civile. Je vous demande de bien vouloir vous lever afin que nous puissions observer une minute de silence, non seulement à la mémoire de ces victimes, mais aussi nous sommes avant tout des jeunes aussi, dans la traversée de la mer. Et il y a eu aussi malheureusement bon nombre de jeunes Africains qui ont perdu la vie, et plus particulièrement des jeunes Maliens. Je vous remercie. Alors, je commencerai par vous présenter le programme de la journée. Tout d'abord, nous allons commencer par le discours d'introduction du président du Conseil national de la jeunesse malienne en France, qui sera suivi par le discours de son Excellence M. Traoré Djibril, conseiller consulaire du Mali en France, au nom des services diplomatiques et consulaires. Après, il y aura le discours d'introduction du représentant du Haut Conseil des Maliens de France. Il y aura la présentation des membres du bureau, la présentation du plan d'action pour les 3 années à venir. Il y aura un échange avec les participants, la salle, une remise des diplômes de reconnaissance à certains membres de cette structure, parce que si nous sommes là aujourd'hui, il ne faut pas oublier que le travail n'a pas commencé aujourd'hui. Si ce bureau a été mis en place, il y a d'autres qui ont eu à bosser avant nous et qui ont fait que cette structure soit présente déjà en France. Et ce n'était pas gagné d'avance au départ pour ceux qui étaient là. C'était une dure bataille. Et il y aura par la fin un discours de M. le consul, son Excellence M. Mangal Traoré. Et la journée s'achèvera par le mot de la fin du président. Je ne vais pas abuser du temps, je vais tout de suite passer la parole au président élu afin qu'il puisse prononcer son discours d'introduction. Je vous remercie. M. Traoré Mangal. Monsieur Djibril Traoré, conseiller consulaire chargé de la vie associative. Monsieur Alou Kemenani, vice-président du Haut Conseil des Maliens de France.
chers camarades membres du bureau du Conseil national de la jeunesse malienne de France, mes chers camarades jeunes délégués des associations, membres du Conseil national de la jeunesse malienne de France, le Conseil national de la jeunesse malienne de France est heureux de vous accueillir pour cette réunion publique d'information. Cette réunion est l'occasion pour nous de vous rencontrer afin de procéder au lancement officiel des activités du nouveau bureau mis en place il y a moins de 2 mois. Pendant cette réunion, l'occasion vous sera donnée de connaître les membres du nouveau bureau, de découvrir notre plan d'action qui sera mis en œuvre pendant la durée de notre mandat, c'est-à-dire les 3 prochaines années. Cette réunion se terminera par une remise de reconnaissance à des membres fondateurs de la structure, à des anciens présidents qui sont succédés à l'animation de cette structure-là bien avant nous. Chers camarades jeunes, le bureau du Conseil national de la jeunesse malienne de France entend rester en contact permanent avec les associations membres afin de respecter les engagements que nous avons pris en acceptant de diriger cette structure. Nous comptons donc sur votre participation permanente à nos côtés pour les activités du Conseil national durant notre mandat. Avant de terminer, mes remerciements au consulat général du Mali pour l'appui constant qu'ils nous ont apporté depuis pas mal de temps par rapport à la mise en place du Conseil national de la jeunesse. Nos remerciements aussi au Conseil des Maliens de France de leur présence et aussi leur volonté aussi de collaborer avec la structure pour la mise en place de projets communs pour la jeunesse malienne de France. Je vous remercie. Merci. Monsieur le Président du Conseil national de la jeunesse malienne de France, chers jeunes, au nom du consul général, Monsieur Mangal Traoré, momentanément empêché, je vous souhaite la bienvenue chez vous, au consulat général du Mali. Je ne ferai pas un discours, mais je dirais tout simplement que le consul me charge de vous dire que vous avez tout son appui et vous avez l'encouragement de la représentation diplomatique et consulaire ici en France, du Mali en France. Et il me charge aussi de vous dire que vous avez un devoir de sensibilisation, n'est-ce pas, vis-à-vis des jeunes qui sont restés au pays et qui veulent coûte que coûte venir par tous les moyens et qui rencontrent toutes sortes de déboires sur le chemin de cette aventure-là. Alors, il me charge de vous dire aussi que le consulat reste ouvert à vos idées. Nous rencontrons aussi beaucoup de difficultés ici au niveau du consulat, notamment dans l'organisation. Depuis un certain temps, nous avons entrepris une certaine réforme pour essayer d'assainir l'accueil, disons de l'améliorer. Et ce n'est pas facile. C'est moi qui suis chargé de ça depuis un certain temps. Depuis 2 semaines maintenant, moi, je descends à la base, je descends, comment on appelle, à l'accueil. Et je vois ce qui se passe, j'essaie d'organiser, mais ce n'est pas facile. Donc, votre soutien et vos idées seront, n'est-ce pas, les bienvenus pour essayer de nous aider aussi à traverser ces moments difficiles. Parce que depuis un certain temps, le consulat n'a pas une bonne réputation, ça vous le savez. Et c'est vrai que c'est excessivement difficile, mais la colonie malienne d'ici aussi n'est pas très facile, il faut le dire. Donc nous avons besoin de vous pour essayer de sensibiliser tout cela. Le président l'a dit, vous allez coopérer, vous souhaitez coopérer, n'est-ce pas, avec toutes les autres associations. Le consulat aussi demande votre aide et votre coopération dans ce sens-là. Et c'est vraiment un cri que je lance à votre adresse parce que c'est très difficile et très important. Il y a des problèmes ici au consulat. Les agents ne sont pas faciles. La colonie malienne aussi ne l'est pas du tout. Alors on essaie d'assainir tout ça. On nous traite tous de corrompus, tous de bandits, de voleurs. Les gens n'ont pas les mêmes éducations. Donc nous souhaitons que vous veniez vers nous. Nos portes sont ouvertes. En tout cas, moi, ma porte est ouverte 24 heures sur 24. Mambé, je suis ami à lui depuis un certain temps, depuis très longtemps d'ailleurs maintenant. Nous sommes dans le même milieu, le milieu de journalisme, le milieu sportif. Et vraiment, les portes sont ouvertes. Venez nous aider aussi. Alors, ceci dit, votre bureau a beaucoup de défis
en ces temps de crise, non seulement ici en France, le problème d'emploi est excessivement difficile, même si vous avez votre diplôme. Au Mali, n'en parlons pas. Le pays traverse des moments excessivement difficiles. Au moment où nous pensions avoir vu le bout du tunnel, c'est en ce moment qu'il y a regain de tension dans le nord du pays. Et on pensait qu'avec la signature prévue le 15 mai, que la situation va s'améliorer, mais nous voyons que les choses ne sont pas faciles. Là aussi, nous avons besoin des jeunes, parce que c'est vous qui êtes les piliers de ce pays-là demain. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, Monsieur le Président. Et je souhaite plein succès à vos travaux. Et encore une fois, nous avons besoin de vous. Nos portes sont ouvertes ici, c'est votre maison aussi. Je vous remercie. La parole est à M. Kemenami Alou, le vice-président du Haut Conseil des Maliens de France, qui est la structure qui chapeaute toutes les associations maliennes en France. M. Kemenami. Merci, M. Tapa. Monsieur le représentant du Conseil général du Mali en France, Monsieur le président du CNJ, Madame, Monsieur les membres du bureau du CNJ en France, je voudrais vous exprimer au nom du Haut Conseil toute notre gratitude pour cette invitation et former le vœu que le mandat que la jeunesse malienne de France a voulu bien vous confier soit un succès. Donc, comme mes prédécesseurs l'ont dit, aujourd'hui, tout le pays compte sur vous. Un pays, et l'espoir d'un pays, c'est sa jeunesse. Et vous, vous avez un double défi. Le premier défi, d'abord, c'est par rapport au Mali, votre pays, et aussi la jeunesse qui est là, ici en France. Parce que ici, la jeunesse en France, la jeunesse malienne en France, elle rencontre beaucoup de difficultés. Il y a d'abord le problème des papiers, le problème d'intégration, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont là, qui ont eu moins d'éducation au pays, et que tout ce problème-là, vous avez tous ces défis-là à relever. Donc, je ne vais pas tarder avec la parole. Donc, en fait, je vous souhaite un plein succès pour votre mandat. Je vous remercie. Bienvenue dans la maison du Mali, ici au consulat général. Et vous dire que, comme nous l'avons toujours initié et fait, nous avons toujours été aux côtés des actions de la communauté en général et de la jeunesse en particulier. Donc, c'est pour nous un honneur de recevoir ici le CNJ. C'est ici que le bureau a été élu, brillamment élu d'ailleurs. Et je pense que nous avons apporté notre petite pierre à cette œuvre-là. Nous vous félicitons, vous encourageons par rapport à ce que vous faites pour la jeunesse malienne de France et pour les idées également que vous avez vis-à-vis de votre pays, le Mali, qui traverse actuellement des moments très difficiles, vous le savez certainement. Et donc je suis sûr qu'avec l'engagement les uns et les autres, la détermination et la volonté de bien faire, nous saurons certainement relever les défis qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc bon courage, bon vent à votre bureau, en espérant que vous ferez des choses visibles, concrètes, palpables et dans l'unité surtout. Nous avons surtout besoin d'unité aujourd'hui pour notre pays. Merci. De la présentation du bureau du Conseil national de la jeunesse. Donc vous avez le président Mahamé Traoré, le vice-président Taparonté, deuxième vice-présidente Simbala Diallo, le secrétaire général M. Bakou Amadou Dambélé, le secrétaire général adjoint M. Samakonon Traoré, il est à Limoges. Le secrétaire chargé des relations extérieures, M. Adama Gassama. Le secrétaire chargé des relations extérieures adjoint, M. Chérif Mohamed Lamine Aydara. Il est pas là. La secrétaire à l'organisation, Mademoiselle Aïssata Djagité. Le secrétaire adjoint à l'organisation, Mamoudou Sissoko.
le secrétaire chargé de la communication et de nouvelles technologies, de l'information, M. Ousmane Diop. Le secrétaire adjoint chargé de la communication et de nouvelles technologies, de l'information, M. Mahamadou Cissé. Le trésorier général, M. Moussa Mamou Traoré. Le trésorier général adjoint, M. Sadio Diarra. Le secrétaire chargé des questions universitaires à l'insertion professionnelle et à l'emploi, M. Niandou Touré, il est en déplacement. Le secrétaire chargé des questions universitaires à l'insertion professionnelle et à l'emploi, adjoint, M. Amadou Batili. Le secrétaire chargé de la santé et de la prévention, M. Ibrahim Togola, il est à Marseille. Le secrétaire adjoint chargé de la santé et de la prévention, Mme Djeneba Bokar Fofana, absente. Le secrétaire chargé de la citoyenneté et des questions juridiques, M. Abdulaziz Oumarou Touré. Le secrétaire adjoint chargé de la citoyenneté et des questions juridiques, M. Youssouf Ouagé. Le secrétaire chargé de la vie associative, M. Gaï Kanouté, il est en vacances au Mali. Le secrétaire adjoint chargé de la vie associative, M. Salé Samassa. Le secrétaire chargé de la culture, des sports et des loisirs, M. Madi Biramou Djakité. Le secrétaire adjoint chargé de la culture, des sports et des loisirs, M. Ibrahim Soukouna. Le secrétaire chargé de la médiation et de la gestion des conflits, M. Demba Traoré. Le secrétaire chargé du développement durable, M. Lassana Touré, il est en séminaire, il n'a pas pu venir. Le commissaire aux comptes, Moussa Doumbia. La commissaire adjointe aux comptes, Mme Awa Traoré. Il y a 6 commissions de travail qui sont mises en place pour accompagner le bureau. Il s'agit de la commission entrepreneuriat, questions universitaires, formation et insertion professionnelle, co-développement, JAR et affaires sociales et vie associative.